regarde. Un, deux, trois. Comme ça. Regarde, tu pinces ton petit doigt sur la corde et tu te fais, voilà, ça c'est taré. Eh ben dites donc les enfants, vous faites pas des progrès rapides, hein. Oh, souffle, souffle. On dirait que t'as des bouts de bois dans les doigts. T'es là, là, là. Voilà, souffle. Voilà, si tu veux devenir un grand virtuose, le doigt souffle, hein. Bon, allez, on va recommencer encore une petite fois. Et après, vous pourrez filer. Attention, au bout de trois avec moi. Un, deux, trois. C'est tout ce que maman m'a donné. Merci, mon chéri. Au revoir, monsieur. Tu diras merci à maman, hein? Oh non, non, non. Ah ben, c'est pas grave. Allez, tiens. Allez, garde ça. Tu me paieras la prochaine fois, hein? Bon, allez, va. Au revoir. Maman m'a dit de vous dire qu'elle vous payera tout à l'heure quand vous viendrez au bistrot. Ah bon? Bon, bah ça fait rien, allez, va. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Et restez pas sur la berge, hein, c'est dangereux. Qu'est-ce que je dirai à vos parents si vous tombez à la baille? Au revoir. Au revoir. Et toi, voyou, tu me paies pas? Mais je peux même le double. Papa, est-ce qu'un jour on ira vivre dans une vraie maison? Mon chéri, ça te ferait plaisir de vivre entre quatre murs? Moi non, mais maman, elle aimerait bien. Et toi, tu aimerais bien? Moi, pour moi, c'est difficile. Dès que je quitte le pont de la Girelle, je trébuche. Je m'accroche à chaque pavé, je tangue. T'as jamais remarqué ça? Si, mais maman, elle dit que c'est parce que t'as bu. Maman, elle dit n'importe quoi. Je tangue parce que j'ai le mal de terre. Tu peux pas guérir? Oh, tu sais, quand on a bourlingué comme moi de la terre de feu à la mer de glace, essuyé les typhons des Grenadines, cassé sa coque à l'île de la Tortue, vu des choses incroyables dans le triangle des Bermudes, hein, fait naufrage au large des îles Sandwich, faut que ça bouge sous mes pieds. Dès qu'on aura des sous, on mettra le cap vers l'île de Pâques. Oh, super! Ça te va, Moussaillon? Ça me va, capitaine. Ah, pas facile. Tu vois, je ferai une mauvaise lingère, moi. C'est tout? Jeannot m'a rien donné, mais sa mère, elle me paiera la leçon ce soir. Au comptoir de son bistrot, bien sûr. Eh ben, tu vas encore voir le double de ce qu'elle va te donner. Eh, tu m'excuseras si je suis pas professeur à l'opéra, hein. Eh ben, c'est pas encore avec ça qu'on va mettre du lard dans la soupe. Tu penses qu'elle a bouffe? Bon, tu t'en fous, toi. Tu te nourris à l'alcool. D'abord, ça, tu manques pas de couleur. Et ton fils? T'as vu la mine de ton fils? On peut pas dire qu'il éclate de santé. Oh, ça, c'est drôle, ça. Bon, eh ben, demain, j'irai faire le baron pour ficeler l'opus. Voilà. Ah, c'est tout ce que t'as trouvé. Alors, il ne viendrait pas à l'esprit d'avoir un vrai boulot, avec des vraies heures de présence et une vraie paye. Hum. Le mot travail, pour toi, ça te donne de l'urticaire. La sécurité sociale, la caisse de retraite pour monsieur, alors c'est de l'hébreu. Hey, te fais pas de bile. Un jour ou l'autre, je trouverai du régulier. Tiens, je vais me fixer. T'es contente maintenant? Derrière un comptoir, peut-être? Hein? Derrière un bon à rien, tiens. Maman, on ne parle pas comme ça à un capitaine qui a vu des typhons aux Grenadines et qui a fait naufrage aux îles Sandwich. Lui? Il a jamais été plus loin que l'écluse de Bougival. Les seuls Sandwich qu'il connaît, c'est ceux aux rillettes de la mer Babouin. Allez, ça t'apprendra à avoir un père mythomane. Tu ne fais rien que de dire des mensonges pour m'embêter. Mensonge ou pas, il est l'heure d'aller au lit. Allez, on n'a encore rien fait de mieux pour rêver au cocotier. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Moussaillon.
Un kit bactole. Jouez les amis. Jouez la proue. Je double la mise. Il est là, il est là, il est à droite, il est à gauche, où il est? Hop, il est là. Et voilà, c'est trouvé, c'est gagné. Bravo, monsieur. Voyez que c'est pas sorcier. Il suffit d'avoir le coup d'œil. Allons, messieurs, faites comme cet heureux vénard. Trouvez l'as rouge. Il est à droite, il est à gauche, il est au milieu. Il est là. Perdu. Bonne chance. Allez, messieurs, misez. Où est l'as rouge? Là. Là. Perdu. Hubert. Oui. C'est combien, ça? C'est pour la puce? Bah, évidemment, c'est pas pour moi. Ah, oh, bah, si c'est pour ton môme, je t'en fais cadeau, tiens. Merci, bébé, t'es gentil. Salut, Gina. Salut, Gadjo. Ah, sois heureux. Le jour est bon pour toi, Gadjo. Merci. Mais, méfie-toi des nuages de demain. Demain, oh. Où il est, le pélas rouge? Je double la mise. 500 francs sur celle-là. Vous voyez, le courageux amateur a risqué 500 francs sur une carte. 22, les flics. Ah, ça, c'est pas de la piquette de Bercy, hein? Il est coulant, hein? Moi, je le trouve tonique, tu vois, et gouléant. Il a de la marque du corps. Bah oui, c'est ce que je dis, il est bon. Oui, il est bon. Ah oui, il est bon. Et un goût. Un goût de trop peu. Je le fais venir de chez un petit propriétaire que j'ai connu en mai 68. Non, il se fout pas de ta gueule. Oh, bah, manquerait plus que ça. Un type qui avait la jambe pétée et que j'ai tiré des barricades de l'Odéon jusqu'à l'Hôtel Dieu. Et non, ça va pas être marrant d'être brancardière chez les révolutionnaires. Ah, oh, bah, tu l'as dit. D'infirmière passée bistrot, ça fait une différence, hein. Bon, on change de malade, voilà tout. Ouais, 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 ouais. Bon, d'accord. Ah, bah, je me disais aussi, ça veut pas être le vin, c'est toi? Quoi, moi? Eh ben, on peut pas dire que t'as été faire les poubelles chez Guerlain. Ah, ouais, bah, on n'a pas toujours les poubelles qu'on mérite. Tiens, capitaine, t'as 4000 balles. Je suis tombé sur des petits malins, t'as vu la recette. C'est pas terrible. Ah, ouais, comme tu dis, c'est pas terrible. Je veux pas te vexer, mais t'as perdu la main, hein. Ça veut dire? Ça veut dire que question bonne taux, t'es plutôt en fin de carrière. T'auras intérêt à te recycler. Ben d'abord, j'ai de l'arthrite. Passagère. Puis ensuite, je vous emmerde. Asinus, asinum fricat. L'âne, frotte l'âne. Ah, merde, 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 merde. Eh, qu'est-ce que je vous disais? Il a pu mettre de ses 10 doigts, ce con-là. De toute façon, c'est du verre blanc, ça porte bonheur. Bon, allez, je m'ennuie pas, mais il faut que je rentre, moi. Ouais, mais je vais avec toi, faut que j'aille faire mes poubelles dans l'île. Allez. Comment ça marche, la musique? Oh, il y a des hauts et des bas. Et toi, la poubelle, ça marche? Bon, pour les sous, ça va, mais c'est le cœur à l'ouvrage que j'ai plus. Ah bon? Ce que je te dis, c'est pourquoi je m'accroche dans ce quartier. Ouais. Parce qu'il y a encore par-ci, par-là, des poubelles à l'ancienne. Ah, il y a encore des concierges romantiques. Ces poubelles-là, hein. Oui. Ben, je peux te dire que rien qu'à leur contenu, les caractères, les défauts et les qualités des locataires. Ah bon? Tiens, le président Pompidou, par exemple. Oui. Eh bien, je peux te révéler qu'il donnait dans la verdure fraîche. Ah, la poubelle la plus écologique du quartier. Ah bon, pourquoi? Il y avait des trognons de salade comme mes poings. Des causes de petits pois transparentes comme les mers du sud, des fils de haricots verts comme des cheveux d'ange. Ah, et des épluchures de patates, tu sais, en torsade, de façon Guirlande. Ah, un vrai poème potager. Ah, pas une seule boîte de conserve. Hein. Là, dans ce temps-là, disons, je sais pas si on savait gouverner, mais on savait bouffer nature. Mais des poubelles, c'est quand même pas sorcier à faire. Ah, détrompe-toi, une poubelle, ça se fait pas comme ça. Disons. Du plus loin que tu la vois, tu la humes, tu la sens. Tu fais une sorte d'estimation globale, a priori. Imagine l'archéologue au-dessus de ses fouilles, hein? Ou le pétrolier, au-dessus de sa nappe de brut. Eh ben oui, il faut savoir si ça vaut le coup d'entamer les premiers travaux. Hein? Tiens, le pif, faut avoir le pif. Ah, pour ça, t'en as du pif. La recherche. Et là aussi, c'est une affaire de spécialiste. Parce que regarde, tu vois, ta poubelle, si tu l'attaques à la hâte et dans le désordre, elle n'apprécie pas ta poubelle. Avec elle, il faut de la douceur, du doigté. Il faut faire l'inventaire déchet par déchet, détritus par détritus, petite merde par petite merde. Parce que si tu te laisses aller à la violence, hein, oui. Et si tu oublies ta technique, mais la merveille que tu allais découvrir,
le trésor que tu allais trouver, la pépite qu'elle est, le couronnement de ta carrière, ben ça t'échappe. Et ça se perd à tout jamais dans les profondeurs insondables. Regarde, on part de Paris, on longe les côtes de l'Espagne et du Portugal, on passe par le détroit de Gibraltar, on traverse la Méditerranée, et à partir de là, il faudra naviguer avec finesse. Parce que si les Égyptiens nous laissent passer, on traverse le canal de Suez, la mer Rouge, Djibouti, Ceylan, Sumatra, et on arrive vers l'Australie, on longe la côte de l'Australie, et peut-être alors là tu auras une grande surprise, tu verras Flipper le dauphin. Oh super! Et on descend, on continue toute la côte de l'Australie, on va vers les îles Fidji, Tahiti et le Pacifique Sud. Mais si les Égyptiens ne nous laissent pas passer? Ah, c'est une question intéressante. Alors écoute, si les Égyptiens ne nous laissent pas passer, la route de Christophe Colomb s'impose. Cap à l'ouest, la Martinique, les Antilles, le canal de Panama, et après, on suit les côtes de l'Équateur, tranquillos, on arrive au Pérou, et directement le cap vers l'île de Pâques. Et qu'est-ce qu'on fera là-bas? Ah, là-bas, c'est merveilleux. Tu vois, l'argent et le travail, on ne sait pas ce que c'est. On boit l'eau de la montagne, on mange des bananes, des noix de coco, du poisson frais. On s'éclate, on danse, on dort, on se fait brunir au soleil, on rigole. Tu vas voir la vie de Pacha qu'on va amener là-bas. Oh les gars, faut pas rêver. Bon, alors, combien je dois, moi? 11 balles. Ça marche? 11 balles. La semaine dernière, c'était 10 balles. Aujourd'hui, c'est 11 balles. C'est plus grand balle. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une clé, ça. Ah, on voit. Mais ça doit pas être celle de ton gourbi. Non, j'ai trouvé dans la poubelle à Zénakian. L'antiquaire? Oui, même, ouais. C'est sûrement celle de chez lui. En tout cas, hein, c'est sûrement pas un verrou ordinaire. Et pourquoi tu la rends pas? Parce qu'il est pas là, et toi, en voyage aux Amériques. Ça doit être beau chez lui. Ouais, ça doit, ça doit. On voit ça d'ici. Des trucs chinois, des machins persans, des choses précolombiennes. Oh là là, ça doit être très très vieux et très très cher. Ouais, bon, bah, ça va, allez, rêvez pas, hein. Bon, je vous laisse, moi, je vais au boulot. Allez, bon, allez je t'accompagne, on fera un bon de causette. Hein. Dis donc, si tu fais le coup de la poubelle poétique, tu vas pas pouvoir en placer une. Jambes interminables, des marches de reine. C'est pas de chez nous, ça. Tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est la fille de Louis XV. À quoi tu vois ça? Fantastique. Les cheveux, la taille, okay. Les yeux bleus. Ich freue mich, weißt du? T'as un ticket avec la sirène. Ouais, arrête de déconner. C'est plus mon âge. Yeah, ok. T'as raison. Oh, yeah. C'est pas qu'est-ce que je te disais? C'est marrant quand même. Tu peux pas faire un pas sans tomber sur une personne qui parle pas français. Tu sais ce qui me fait marrer? Non. C'est qu'on n'est jamais content de son sort. Explique. Bah, tu vas comprendre. Parce que je peux te dire qu'il y a autant de cons à Rio de Janeiro qui rêvent d'être à Paris que de cons à Paris qui rêvent d'être à Rio de Janeiro. T'as toujours raison, capitaine. Allez, à la tienne et à ton bateau, qui t'amènera peut-être un jour au bout du monde. J'ai ces cons. Oh, mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci, toi? Hé, hey. Tiens, justement, on parlait du bout du monde avec Ficelle. Pas vrai, Ficelle? Ouais, on était en plein Pacifique Sud. T'en fais pas, ma puce. Ton île de Pâques, je te la garantis dorée sur tranche. T'es content? Hé, hey, qu'est-ce que tu veux de plus, maintenant? Que tu rentres à la maison. Regarde ma puce.
S'il est beau le soir, notre bateau, c'est le plus beau bateau du monde. Eh ouais. Hein. Attends, papa, je vais t'aider parce que je crois que t'as encore le mal de terre. Ah, et tu l'as dit. Ah, ça me quittera jamais. Non, viens par ici, Moussaillon. Je vais te faire écouter quelque chose. Viens. Viens là-bas. Alors là, Moussaillon, je te jouais mon plus beau concert. Et attention, je vais le jouer spécialement pour toi. Écoute ça, Moussaillon. Seulement tu rentres ivre mort, mais en plus tu réveilles tout le quartier. Si les voisins se plaignent, on va se faire expulser. Ma pauvre mère, t'aurais jamais dû m'épouser. Hein, je suis trop bien pour toi. Tu veux que je te dise? Hein, t'es faite pour l'ombre, la grisaille, le médiocre. Tu comprendras jamais les artistes comme moi. Jamais. Ah allô? Non, pas ça. Non, je te dis pas ça. Pas ça. Oh, pas tellement, hein. Qu'est-ce que tu fabriques? Une machine à coudre? Ah, c'est ça, fous-toi de moi. Je suis en train d'essayer de faire tenir ces deux trucs-là. Oh, merde. Ben, voilà autre chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, ben, c'est ma tirette qui est tombée dans le feu. Tiens. Ça peut t'aider. Bon, mais c'est de l'or. Et alors? De l'or sur ta trompette, ça te portera bonheur. Merci. Regarde bien. On va faire marcher la trompette. Voilà. Ah, ça y est, ça marche. Écoute bien. Déjà, elle marche. Elle marche, elle marche. Mais t'as vu la gueule qu'elle a? C'est pas la gueule qui compte. C'est son âme, Gordo.
le somnambule sortant de l'ergastule. Il va au grand conciliabule des ombres matricules qui ont le feu au cul. Ça va, ma puce. Tu peux y aller, c'est du velours. T'as qu'à leur jouer des marches militaires ou des valses viennoises, c'est rempli de cheleux. Tu vas te faire un pognon au Deutschmark, mon roi. Bon, eh ben j'y vais, allez. Ah bah évidemment, justement, vous allez le faire échec et mat. Bah, moi, je vais me faire un petit trompette. Hein. Bonne nuit, doux prince. Allez. Mon royaume pour un coup de rouge. Je vais m'en offrir un chez la mère Babouin. Ah. Ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends mon père. Oh, tu devrais être au lit à cette heure-ci. Il n'y a pas d'heure pour les matelots. Dis donc, quand tu dors pas, toi, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Ah oui, mais t'attends quoi? J'attends qu'on me foute la paix pour dormir. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ah, avec ça, t'auras l'air d'un vrai marin. Oh, merci, tonton la fraise. Hello, skipper. Tu fais escale? J'attends mon capitaine. Comment t'appelles-tu? La puce, et toi? Ursula. Tu viens d'où? D'Hamburg. Pour venir de chez moi, j'ai traversé des tas de mers. Moi aussi, je vais traverser des tas de mers. Où vas-tu? Mon père va m'emmener à l'île de Pâques. C'est formidable, l'île de Pâques. Là-bas, tu vas pouvoir jouer au corsaire. Et puis, à l'île de Pâques, il y a des Indiens qui ne sont pas tout à fait des Indiens. Ils sont méchants? Mais non, lorsque tu débarqueras, ils viendront te saluer avec des colliers de fleurs multicolores. Tu n'auras qu'à leur faire le signe de joie des dieux vivants. Ils seront tout de suite tes amis. C'est quoi le signe de joie des dieux vivants? C'est ça. Mon père, il m'avait jamais parlé de ça, lui. Où il est ton papa? Il est là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci, voyou? Je causais avec Ursula. J'espère qu'il ne me dérange pas trop, mademoiselle. Pas du tout. On parle voyage. Ah. Même qu'elle connaît l'île de Pâques avec les Indiens qui sont pas tout des Indiens. Ça, tu savais pas, hein? Je savais pas. Mais bien sûr que je le savais. Seulement, je peux pas tout te dire, il n'y a plus de surprise. Bon, allez, maintenant, il est tard. Il faut que t'ailles te coucher. Tiens, tu donneras ça à maman. Voilà. Et les perds pas, hein? Maman, tu viendras avec nous à l'île de Pâques? Bien sûr. Et surtout, n'oublie pas. Salut, Moussaillon. Salut, capitaine. Allez, l'artiste, range ton instrument. On vous embarque. Ça va pas, non? Ouais, ça fait une paye que vous embarquez plus. C'est les ordres, là. Écoute, sois gentil, nous complique pas la vie. M'emmerde pas et monte dans le carrosse. Messieurs, il faut céder à la force brutale. Ave flicum, moriturite salutante. Qu'est-ce qu'il dit? Des conneries. Ouais, ben ça suffit comme ça ou alors je vais me fâcher. Ira fureur, brevis est. Qu'est-ce qu'il dit? La colère est une courte folie. Ouais, ben continue comme ça, Cicéron, il va t'arriver des bricoles. Et voilà, on a la télé couleur, l'aspirateur à deux vitesses, le gris tout peint, et pour la répression, on en est encore aux vieilles méthodes. Plus vite là-dedans, allez. Que les os de ta mère brûlent de honte. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma mère? Elle t'a fait toi, et ça suffit pour brûler en enfer. C'est ça, allez, grimpe. Demain matin, qui c'est qui va s'occuper de mes poubelles, hein? C'est pas mes baronnes et mes présidents qui vont les sortir. Alors là, je vais vous dire. Dès que je suis libéré, je vais vous faire un de ces papiers auprès de ma clientèle que quand vous allez vous pointer à la fin de l'année, la gueule enfarinée, là, pour fourguer vos calendriers illustrés et pleurer vos étrennes, vous allez être reçu avec les tromblons d'honneur. C'est ça. Le bec chiche en forme de coup de pied au cul, vous allez connaître. Il va y avoir de la mutation dans l'air. À Limoges, tu vas te retrouver, en banlieue. Tu feras la sortie des écoles maternelles. Et encore avec tes mœurs. Bon, vous allez pas nous chier une pendule parce qu'on vous embarque et qu'on vous conduit au poste, non? On dirait que c'est la première fois que ça vous arrive. Avant, il y avait motif. Aujourd'hui, il y a erreur judiciaire. Alors, capitaine, vous avez des ennuis? Eh oui, monsieur Fedor Fedorovitch. On ne choisit pas toujours ses relations de nuit.
J'aimerais mieux la compagnie de vos marionnettes que celle de ces pantins. Pour la visite du Paris by Night, il existe des cartes plus humaines, plus confortables que cette saloperie. Là, vous avez raison. Allez, allez, ça suffit comme ça, hein. Allez, deux. Hé, ben partez pas sans moi, quand même. On profite que je suis chez la mère Babouin, on s'en va. Ah, il n'y a plus d'éducation, quand même. Poker! Poker! De la Ribaudière. En trois mots, s'il vous plaît. Il n'y avait pas une couronne par-dessus le marché? J'en ai déjà une, merci. Prénom? Urbain. C'est un prénom, ça? Évidemment. Difficile à admettre, hein? Urbain, dans la bouche d'un flic. Adresse? Je vis chez ma maman à Courbevoie. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Elle élève des lapins. Et toi? Moi? Je vais aller. Oh là là, allez hop au frigo, hein? Ton nom? Nobel. Prénom? Esprit. Esprit Nobel, non mais tu te fous de ma gueule? Oui. C'est vraiment pas une place pour vous ici. Pourquoi pas? Moi, je suis à l'aise partout. Elle est marrante, votre vie. Quand vous en avez marre de Paris, vous filez en Espagne. S'il fait trop chaud en Andalousie, vous allez en Hollande. Quand vous pouvez plus sentir les tulipes, vous allez à Rome, etc., etc. C'est tout à fait ça. Et moi, c'est pareil. Je suis tout le temps parti, mais je suis toujours là. Chacun son truc. Toi, c'est la trompette et l'île de Pâques. Et toi, c'est d'aller comme ça partout, en liberté. Hé, hey, flicard, t'entends? Quoi? En liberté. Quoi? Oh, t'es sourd ou quoi? En liberté. Merci. Merci quoi? Liberté. En cette lettre, elle est souvent chérie. Liberté. Liberté chérie. Alors avec les tomates, on va prendre des avocats, mais pas trop mûrs. Je vais te faire une petite salade créole. Des avocats? Non, non, mais tu divagues. Tu vas encore prendre des calories. Mais tu m'aimes avec mes calories, voyons. Oh, tu t'es vu, toi? C'est tout maigre. Faut mieux faire avec piquer. Il n'y a plus de poisson, hein? Si, 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 il y en a. Il n'est pas bon, mais il y en a. Ah, quand je pense à la friture que j'ai prise ici. Tiens, même en 45, j'ai pris un goujon de plus de 650 grammes, dis donc. Un monstre, le goujon du Loch Ness. Oh, tu peux rigoler, on l'a même pesé. Ouais, 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 officiel. Il paraît même qu'on va poser une plaque commémorative. Bon, ben maintenant, ça va comme ça. Laisse-nous pêcher. On aurait dû amorcer. Ah oui. À propos d'amorce, j'ai trouvé du boulot. Hein? Tu crois qu'il parle sérieusement?
président. Tu dis travail, là, mais c'est travail régulier. Tu vas pointer? Oh, ouais, attention, on vestir les insultes. J'ai dit boulot, j'ai pas dit travail. Ah bon, ouais. D'ailleurs, ça vous concerne tous les trois. Quoi? Dis donc, avant de faire une saloperie aux copains, on consulte. C'est avec des conneries comme ça qu'on met fin à une belle amitié. Oh, quand on baronne pour ficelle, personne ne rouspète. Mais avec moi, c'est pas pareil. C'est de la pêche aux pigeons. Ouais, bah moi, c'est la même chose. Mais disons, on commence quand? Demain. Demain? Regarde quelques amateurs. Thank you.
Munich, à Rome, à Londres, à Moscou. Et nous, papa, qu'est-ce qu'on fait? Ne vous laissez pas berner par les médias audiovisuels et écrits. Ce sont les véhicules de l'intoxication intellectuelle par la base. Croyez-moi, l'action continue, la révolution est permanente. Chez tous les coiffeurs syndiqués. Le droit à une sexualité inventive est une juste revendication des masses laborieuses. Il faut décrypter les processus inhibiteurs et aussi débloquer les tabous. Oui, il faut débloquer. Et pour ça, il est bien parti, hein. Violons la société oppressive avant de nous désintégrer dans un néant facho-libéral. Sartre l'a dit, la seule façon d'apprendre, c'est de contester. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le petit curieux? Moi? Si j'emploie ton vocabulaire, je dirais que tu tiens un raisonnement de type social-bourgeois et anarcho-déviationniste. Mais il est malade, ce mec. Si je dois parler clairement, je te dirais que je ne te vois pas beau dans une vingtaine d'années. Pas beau, moi? Oui, toi. Tu gueuleras contre les embouteillages et les jeunes doctrinaires. Et en plus de ça, tu auras des enfants qui te traiteront de vieux cons et qui seront d'extrême-gauche pour t'emmerder. Je refuse de polémiquer avec un renégat payé par les grands médias pour saboter notre action. Belle intervention, hein? Un peu hermétique, mais sans faille, hein. Il va avoir du mal à s'en remettre. Jamais personne lui a coupé de sifflet comme ça. Clic, clac, plein la gueule, là, bravo. Et un petit coup de Beaujolais, ça serait pas du luxe pour digérer tous ces mots qu'on n'a pas compris. Ok, je vous invite. J'ai une bonne parole. Qu'est-ce que ce sera? Deux Irish Coffee et un Coca pour le petit. Et pour nous, une bouteille de rouge. On n'a pas le droit de servir de vin en terrasse. Ben, y a pas de problème, on va à l'intérieur. Ah oui! Deux, on le donne, on est vraiment qu'on voit un coup. Hein. Et vous n'êtes pas française? Je suis allemande, je viens de Hambourg. Moi, je suis Margaret. Mon père est capitaine et on va aller à l'île de Pâques. Tu connais? Non, mais je connais Bornéo, Sumatra, l'île de la Réunion, les îles de la Sonde. Oh, si tu connais pas l'île de Pâques, tu connais rien. Ursula, elle connaît, même qu'elle va venir avec nous. Ah, bah si vous partez pour l'île de Pâques, je m'engage comme mousse. En attendant, j'ai une proposition à vous faire. Oh, vous attaquez vite. Oh non, je ne plaisante pas. Je m'appelle Gérard Jouly et je suis photographe à Paris Match. Je voudrais faire des photos avec vous dans des robes complètement folles de Guidicelli. Mon journal vous offre 1000 francs pour la journée en fleurs. C'est où? Sur la côte normande, un des plus jolis villages de pêcheurs du monde. Et qu'est-ce qu'on y fera? Un reportage sur le thème vieux bateaux et robes de gala. Des bateaux qui vont au bout du monde? Bien sûr. Oh, c'est chouette. Vous dites qu'il y a des bateaux? Oui, oui. Que voulez-vous qu'il y ait dans un port? Alors j'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Je viens avec deux invités. Bon Dieu que c'est beau. Qu'est-ce que c'est grand? Tu m'avais jamais dit que la mer, elle allait jusqu'au ciel. Comment ça? Bah oui, regarde là-bas, le ciel et la mer, ils se touchent. Eh oui, elle va jusqu'au bout. Je te l'avais dit, c'est pareil. Et l'île de Pâques, où est-ce que c'est? Ah, l'île de Pâques, attends que je me repère. L'île de Pâques, c'est là. D'où il vient ce gros bateau? Il vient de Russie. C'est loin? Oh, vachement. Tu te rends compte qu'il y a quelques jours, il était peut-être à Moscou? C'est un gros port, Moscou. Ah oui, alors. Un des plus grands du monde. Comme Berlin, Mexico, Tokyo. Tu y as été? J'y ai fait escale. Il y a longtemps. Longtemps, longtemps. Très bien. Oui! Ouais, les bateaux sont en bas parce que la mer est basse. Et en Amérique, elle monte à cette heure-ci. Alors tu es content? C'est aussi beau que ton papa t'avait raconté? Oh oui, j'ai vu un gros bateau marqué venant de Moscou. Maintenant, tu pourrais dire que tu as vu la mer, la vraie, avec des vagues et des bateaux. Oui, mais ce que je voudrais, moi, c'est être dessus. Ça viendra. Allez, viens maintenant, viens. Allez, on reprend. Papa, est-ce qu'on peut aller à l'île de Pâques avec ce bateau-là? Bah, bien sûr, demande au capitaine. Hé,
Monsieur. Ouais. On peut aller à l'île de Pâques avec votre bateau? À Pâques, il y a la Trinité. Vous pensez quoi, la Trinité? Oh, la Trinité, ça vaut pas le coup, il y a même plus d'Indiens. Mais où sont passés tes copains? Je crois qu'ils sont quelque part dans le Pacifique Sud. La mer, tout le monde connaît. On la voit tout le temps à la télé. À la télé, c'est tout petit comme ça. Tandis qu'en vrai, c'est grand comme ça. D'ailleurs, on n'en voit même pas le bout. T'as vu des bateaux? Plein. Un qui revenait de Moscou. Des tas qui partaient pour le bout du monde en faisant de la fumée. J'en ai même vu un qui partait pour la Trinité. C'est où la Trinité? C'est tellement loin qu'il n'y a même plus d'Indiens. Et moi, un jour, je partirai pour les îles de Pâques avec mon père. Tu m'emmèneras avec toi? Ça va pas. La marine, c'est pas un truc pour les filles. Alors là, là, le point est à nous, là. Hein. Ceux qui perdent, ils payent un petit café. Non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas envie d'un petit café. C'est vrai, j'en ai marre de vivre dans le petit... On boit un petit coup de rouge, on se fait une petite bouffe, on se tape une petite pute. Voyez pas que le monde se ratatine, se rabougrit, que tout devient petit, petit, petit. Mais qu'est-ce que tu veux? Que ça s'aère, que ça s'espace. J'ai envie de boire un grand coup de rouge, de me faire une grosse bouffe et de me taper une énorme pute. Ne te fâche pas, mon grand. Après cet énorme coup, on va te payer un énorme mocha dans une tasse énorme. Eh ben, vous voyez qu'on s'y fait à la grandeur. Eh oui, on s'y fait petit à petit. Ah, pour prendre ce poids-là, faut être grand. Et pour prendre celui-là, il faut être encore plus grand. Ah, là, il est à nous. Oui, eh ben maintenant, on en a deux, hein. Non, oh, hey, un. Non, non, deux. Bon, deux, bon, deux, on va pas se fâcher pour un point. Hein. Ça fait combien? Ben, ça fait 5 à 7. Oh, au fait, t'as toujours la clé de l'appartement de ton Américain? Oui. Ah bon? T'as jamais jeté un coup d'œil chez lui? Pourquoi? Ça doit être beau comme dans un musée, hein? Oui, il doit sûrement avoir des tableaux de femmes nues, hein? Ouais, les gars, là, vous divaguez, là, non? On va pas virer voyous et casser les appartements? C'est pas pour casser. Juste pour voir. Une petite expertise. Oui, mais ça, je vous connais, vous avez tendance à regarder avec les mains, vous. Oh, tu vas pas nous insulter, non? C'est une façon de nous instruire. La vue de jolies choses ne peut qu'enrichir l'esprit. J'ai dit non, c'est non. Oh, allez, te fâche pas, joue. Allez. Alors, qu'est-ce que tu fais? Arrive. Non, je vois pas. Quel emmerdeur! J'ai jamais fait de casse, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Mais on casse pas, on mate. C'est ça, juste le regard de l'amateur avisé. Mais faut que... Ah, j'aurais jamais dû vous écouter, alors tu viens. Allez. Fais plus. T'es sûr? Combien tu pèses, toi? J'en sais rien. Ça fait 30 ans que je me pèse plus. Bah, lui, il doit faire son quintal. Moi, je fais 90. Et toi, tu? Moi, 85. Et toi? 70. Ouais, bah, ça fait 345 kilos. Ça. Bon, allez. Non! Moi, je veux pas rester coincé là-dedans. Je suis claustrophobe. Ah, bah, faut qu'il y en ait un qui monte à pied. Ouais, pour moi, en tout cas. Je suis dans la tachycardie. J'ai des extrasystoles. Moi, je suis asthmatique déjà tout petit, j'étais dispensé du cours de gymnastique. Et toi? Moi, j'ai rien, mais 5 étages à peindre, ça, c'est sûr, ça va me réveiller, ma sciatique. Bah, j'ai compris. Alors, t'arrives? Ah, oui, mais 5 étages à pied, c'est fatigant. Alors, comment on allume ici? Attends, ça y est. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau? On se croirait au théâtre. Ouais. Oui, c'est beau. Mais maintenant qu'on a vu, allez, on s'en va. Ah non, attendez un peu! On savoure. Oh, mes enfants, la merveille! Ébène et or! Dynastie Tang, 7e siècle. On a dit qu'on touchait pas. Bravo, messieurs. Alors, on cambriole?
Vous n'avez pas honte? Mais comment est-ce que vous avez pu en arriver là? Ah, non, 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 vous n'allez pas me faire le coup de l'enfance malheureuse. Avez-vous un seul instant imaginé tout le mal que je me suis donné pour réunir toutes ces merveilles? Alors, au revoir, messieurs. Et là, la statuette. Excusez-le, c'est une erreur. Merci. Ah, une chose encore. L'entretien de ces babioles me coûte fort cher et il est d'usage que tous les visiteurs participent aux frais. Vous laissez ce que vous voulez dans le tronc, à gauche de la porte. Et n'oubliez pas de laisser la clé sous le paillasson, s'il vous plaît. Le système d'alarme électronique de mon invention vous remercie. La Seine est aventureuse de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amour qu'elle a choisi. Elle roule, coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 le jour et la nuit. Car la Seine est une amante, et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras de pied. Pardon, monsieur, j'appartiens à l'organe de la Sofra. J'aimerais vous poser quelques petites questions. Non, 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 non. Ça n'a pas l'air de marcher bien fort, vos affaires. Ah, pas vraiment, non. C'est quoi, ça? Un sondage auquel personne n'a l'air de vouloir répondre. Ah, nous, on veut bien, hein, on veut bien. Certainement. Jamais personne ne nous demande rien, nous. Hein? On voit les résultats des sondages comme ça, là, dans les journaux, mais nous, jamais on est sondé. On vous intéresse pas? Si, si, bien sûr, au contraire. C'est quoi, Le français et le travail. Là, c'est un sujet beaucoup trop important là, pour qu'on en parle comme ça à la sauvette. Hein. Ah oui, dans la rue, vous vous rendez compte? C'est vrai, on serait mieux assis, hein? Où ça? Ben, venez, venez, nous on connaît. Ben, vous êtes... Et la case, là, c'est quoi la question? Les 39 heures de travail hebdomadaire, estimez-vous que c'est A, trop, B, pas assez? Il n'y a pas de problème. 39 heures, c'est pas suffisant. Oui, oui, certes, moi, je suis de l'avis de monsieur. Mais c'est une honte, voulez-vous dire. Comment voulez-vous que nous n'allions pas vers un accroissement du déficit du commerce extérieur? Les Français veulent pas travailler. Allez, encore un petit. Monsieur, après, il va être chaud. Excusez-moi, messieurs, de m'immiscer dans votre conversation, mais je partage l'opinion de monsieur. Guy, amène un verre à monsieur. Ne cherchez pas plus loin les raisons de notre déclin économique et de notre absence de crédibilité au niveau compétitif. À votre santé, quand même. Le français est devenu un feignant à part entière, c'est tout. Guy, une autre bouteille. Oh non, 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 non. Vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de conscience. Et j'ai jamais rencontré des sondés aussi nets. Oui, mais attention, hein. Nous nous représentons une catégorie de socioprofessionnels extrêmement motivés au niveau de la productivité. Il faudrait 42 heures. 45. 50. 50 heures de boulot. Si on veut s'en sortir, 50 heures. Oh là là, ça va pas? Je suis pas bien. Hein. Il est pas bien. Je me demande comment je vais pouvoir faire mes comptages demain. Ah non, demain on travaille pas, c'est le 1er mai. Bah si, justement! Je dois faire des estimations de participants au défilé. Bah vous en faites pas. On va vous les faire, vos comptages. N'est-ce pas, messieurs? Ouais. Il sera pas dit qu'on aura laissé un ami dans l'ennui. Allez, à la tienne. Vive
Moi, je fais ce que je veux. Ils étaient bien 50 000. Non, ils étaient au moins 200 000. Moi, je veux dire, avec 150 000, on ne doit pas être loin de compte. Eh ben, moi, je peux vous dire qu'ils étaient 110 721. Ça vous est pas de ça. Et comment vous avez fait? Vous avez une machine? Ah non, j'ai compté les pieds et puis j'ai divisé par deux. Qu'est-ce qui t'arrive, capitaine? Tu cours après la fortune? Mais non, je courais après un mec qui a perdu ça. Vous l'avez pas vu? Il s'est tiré de ce côté-là. Un grand blond, vachement pressé. Ce truc-là, tu l'aurais pas plutôt volé? Tu changeras jamais, toi. Hein? Tu passeras toujours ton temps à espionner les gens du quartier, des fois qui piqueraient les pourboires dans les soucoupes des bistrots. Et non, tu vois, je changerai jamais. Mais en attendant, on va aller continuer cette conversation au poste. Allez. Attends, attends, ça vaut peut-être pas la peine. Enfin, capitaine, il ferait pas de mal à une mouche. Pas de mal à une mouche? Pas folle, la guêpe. Tiens. Salut, capitaine. Qu'est-ce qui t'amène, cette heure-ci? Eh, tes deux comiques, là. Le cavalier avec le sous-bras. Ah. Où est-ce que t'as trouvé ça, mon gars? Ah, j'étais en train de dormir tranquillement dans le couloir du tabac de la rue Cardinal. Il y a un grand blond qui m'a marché sur le ventre et qui s'est tiré en me laissant ce truc-là. Alors j'ai couru pour le rattraper et lui rendre. Et puis je suis tombé sur tes deux comiques. Au lieu de rattraper le mec, ils m'ont amené ici. Des vrais ânes, hein, qui connaissent que leur écurie, ceux-là. Merde! Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, bon Dieu. C'est pas vrai. Des ânes, hein? Pas si con qu'il en a l'air, bulldozer. Hé, t'avais jamais entendu parler du pif à bulldozer? Il ferait pas de mal à une mouche, le minet. Allez, bouclez-le. Bon. Où est-ce que tu m'as dit qu'il t'avait bousculé, le grand type? Dans le couloir du tabac. Tu connais les locataires dans la maison? Dans le quartier, je connais tout le monde. Tu sais ce qu'on a découvert au sixième étage de l'immeuble qui te sert de dortoir? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai passé la nuit au bloc. Eh ben, je vais te le dire. On a découvert un type entouré de poupées. Et alors, il y a des malades partout? Le malade dont je te parle, il est pas prêt de guérir. C'est un artiste complètement mort qu'on a étranglé avant de le voler. Quick! Oh, merde. Avec un lacet de cuir. Fedor Fedorovitch, tu connais? Si je connais le Cosaque, je connais que lui. Il habite sous les combles. C'est un marionnettiste, il est même passé à la télé. Eh bien, ton Fedor Fedorovitch, il s'appelait en réalité Fernand Machavoine, natif de Saint-Étienne. On l'aurait pas dit avec un accent pareil. Alors c'est lui qui... Oui, c'est lui. Le fric a disparu. Toutes les économies de ce pauvre type qui avait pas confiance dans les banques. Le fric et la pacotille destinée à parer ses poupées articulées. La mallette? Oui, la mallette. Alors, non seulement tu voles, mais t'assassines. Non, mais ça va pas la tête. Un assassin, moi? Mais regardez-moi, monsieur le commissaire, j'arracherai pas une aile à un papillon. Puisque tu le prends comme ça, j'ai tout mon temps. Reprenons. Nom, prénom, profession. Dumouriez, Robert. Musicien. Sans domicile. Comment ça, sans domicile? J'habite sur la Girelle, quai de la Tournelle. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans ce couloir, juste à l'heure où il y avait un crime dans la maison? Je dormais. Pourquoi tu dors pas chez toi? Parce que je suis en bagarre avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je suis un bon à rien. Un bon à rien qui tue pour voler? Mais j'ai tué personne! J'ai tué personne, monsieur le commissaire! Je vous le jure, j'ai tué personne! Julien! Bon. Prends le relais, il commence à me fatiguer. Je le récupérerai cet après-midi s'il n'a pas accouché avant. Bien. Bon.
Bon, alors, nous disons. Nom, prénom, profession. Comment tu dis que tu t'appelles, déjà? Dumouriez Robert. Je parie que c'est comme ça que tu as commencé le travail, hein? Ou alors comme ça! Alors, Dumouriez, est-ce qu'au moins tu regrettes ton geste? Oh, j'ai voulu être serviable, c'est pas un crime. Tuer pour voler, t'appelles ça être serviable? Ah, eh ben, tu vas raconter ça aux membres du jury, ça les fera rigoler. Bon, je crois que le plus simple, c'est de repartir à zéro, hein? Alors allons-y. Nom, prénom, profession. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, nom, prénom, profession. Mais pourquoi? 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 Bon, alors moi j'en ai ras-le-bol, je vais te présenter au juge d'instruction. Mais je t'avertis, avec ce genre de type, ça va pas être de la tarte. Ils jouent au chat et à la souris. Ils ont la Légion d'honneur. Ils ont prêté serment. Alors tu vois, tu peux pas te battre avec ces vicelards. Mais allez, avoue. Après, on te file un petit coup à boire et on te fiche la paix. Vous voulez que j'avoue? Alors allons-y. Parce que j'en ai plein le cul de servir de punching ball à votre chimpanzé. Greffier, notez. Oui, j'ai tué Fedor Fedorovitch parce que j'aime pas la vodka. Je lui ai piqué ses économies pour m'offrir un régiment de danseurs. Et attendez, c'est pas tout. Hein. Mon palmarès, c'est un truc à promotionner un petit flic comme vous jusqu'à la plus haute marche du podium. La une des journaux va être consacrée au Sherlock Holmes de Saint-Germain-des-Prés. Maintenant, vous pouvez mettre votre costard du dimanche pour la photo. Jugez un peu sur qui vous avez mis la main. J'ai assassiné ma grand-mère parce qu'elle puait de la gueule. J'ai kidnappé le fils Lindbergh parce que je hais les juifs. J'ai fait le casse de la banque de Nice tout seul parce que les Niçois ne pensent qu'à faire la sieste. J'ai dévalisé la caisse d'épargne de Saint-Étienne parce que je hais les écureuils. Vous en voulez encore de la révélation? Les coffres chez Rothschild. Ma pomme, le petit doigt du baron en pain. Ma pomme, les courses truquées de Cannes-sur-Mer. Ma pomme, le bazar de la Charité, le Titanic. Encore ma pomme, les séquestrés d'Altonat. Toujours ma pomme. La vérole de votre femme. Ma pomme, encore ma pomme. Toujours ma pomme. Admis, s'il vous plaît. Alors? Ce pauvre connard m'a mis à bout. Mais nom de Dieu, c'est pas possible qu'il ait tué qui que ce soit. Le tueur de marionnettistes, c'est un sadique, un maniaque, dangereux. C'est le troisième montreur de marionnettes assassiné depuis 2 mois. De la même façon et probablement par le même détraqué. Franchement, tu vois ce musicien minable faire ça? Non. Alors? Ah! Dumouriez. On va te relâcher. Comme ça, tu pourras pas dire que la police, c'est un endroit où on entre debout et d'où on ressort les pieds devant. Enlevez-lui les menottes. Je t'avertis qu'à la moindre petite preuve contre toi, je te reboucle et pour longtemps. Je l'oublierai pas, monsieur le commissaire. Dumouriez. Oui, monsieur le commissaire. N'oublie pas que tu es le seul à pouvoir identifier ce salaud. Et il le sait. Il le sait. Il veut autre chose. Un maniaque. Monsieur le commissaire. Vous connaissez bien ce lascar? Ah oui. On le ramasse régulièrement pour délit d'ivresse ou tapage nocturne, mais enfin jamais rien de grave. Ayez l'œil sur lui. Je ne voudrais pas que l'assassin supprime le seul témoin qui pourrait le reconnaître. Je vais avoir l'œil, monsieur le commissaire. Allez, tire-toi. Vous savez que vous êtes des rigolos. Il y a 2 minutes, vous voulez me garder. Maintenant, il faut que je me barre. Ma puce. Ma puce. Mmh. Oh, papa. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'attendais. Ouais, eh ben, tu vas me faire le plaisir de retourner chez ta mère.
À cette heure-ci, tu devrais être à l'école. Mais j'y vais plus. Comment ça, tu vas plus? J'en ai marre de me bagarrer avec les autres qui disent que t'es un tueur. T'occupes, les autres, ils disent n'importe quoi. On t'avait oublié ça dans le couloir. Allez, viens, je t'offre un café. Tu m'offres un café? T'as des sous? Oui, j'ai emprunté un peu de sous à tes élèves de cours de musique. Oh, à mes élèves? Bah oui, tu vas bientôt reprendre tes cours. Mais évidemment. Allez, tu m'offres le café et moi, je t'offre les croissants. Ah, allez, viens. Non. À la nôtre. T'as vu, t'es une volette maintenant, hein? Tu parles? Si, si, on parle de toi partout, même dans les journaux. On dirait gamin dans Remorque. Si vous croyez que ça m'amuse. Peut-être des sous à tirer dans tout ça? Des sous? Ah oui, c'est pas con. T'as qu'à raconter. Ouais. Tu vends tes révélations à la presse à sensation? Comment j'ai vu l'assassin? Ça vous fait rigoler? Pourquoi je donnerais pas aussi mon adresse à ce maniaque? Bon, allez, on se tape la cloche et après on se fait une petite belote à 1000 points. Hein? Allez, moi je vais m'occuper du sauce. Bref. Je passe. Moi non plus. Moi non plus. Moi je prends. Elle va être prête. Alors, tu joues? Une seconde, je réfléchis. Il n'y a pourtant pas à réfléchir. J'ai pris un trèfle. Ah ben ça, je sais. Si j'avais eu du trèfle, j'en aurais joué, c'est marrant. Voilà. C'est ça, vous gênez pas, les mecs, jouez à la parlante. Je parle pas, je pense tout haut. Je me demande ce que j'aurais dû jouer pour que la fraise prenne la main. Ben c'est ça, continue. Vous savez à quoi vous faites penser? Vous faites penser au film Marius, quand il lui dit... Tu me fends le cœur. Ah oui? Ah oui? Je dis, ça me fait penser au film Marius, quand il lui dit « Tu me fends le cœur ». Ah oui, alors? Et alors, je dis « Tu me fends le cœur à toi, il te fend rien du tout ». Ah, c'est dégoûtant de tricher, hein? Je ne triche pas, je sais pagnol, je sais, quoi. Oui, là, on joue pas du pagnol, on joue à la belote. Oh, te fâche pas. Allons, les mecs, quoi, arrêtez de déconner. On va quand même pas gâcher une belle journée de retrouvailles, comme ça. Oh, en parlant de retrouvailles, je voudrais bien retrouver la môme blonde. Ursula? Oui, mais ça fait 2 jours qu'on l'a pas vue. Ses potes traînent toujours dans le coin, mais elle est plus avec eux. Ah bon? T'as vu, ton tueur a remis ça. Et cette fois-ci, c'est dans le marais, à croire qu'il tient en quartier. C'est pour me faire peur que tu dis ça? Mais non, c'est pas pour te faire peur. C'est pour que tu fasses attention. Arrive, mon chéri. T'as fait un cauchemar? Non, j'ai vu le monsieur qui veut tuer papa. Où se situe cette histoire? Mais personne ne veut tuer ton papa. Si, je l'ai vu. T'as rien vu du tout. Tiens, ton tueur, c'est comme ton île de Pâques, ça fait partie de ton cinéma. Quand t'as ton papa, qui veux-tu qu'il lui en veuille? Hein? À part la ligue anti-alcoolique. Allez, calme-toi. Tiens, si tu veux, tu peux dormir avec moi. Ça va? Ça te rassure? Allez. Toum-toum. Zou. Allez, on sera bien tous les deux. Papa!
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'étouffer? Oh mon papa, dis-moi que tu reviens à la maison. Oui, je reviendrai, mais pas tout de suite. Ça te ferait plaisir? Tu parles! Un bateau sans capitaine, c'est une épave. Mais là, Gérald, j'ai pas envie que ce soit une épave. T'as raison, Moussaillon! Au fait, tu sais, cette nuit, j'ai eu un peu peur. Le monsieur qui veut te tuer, je l'ai vu, il est monté sur le bateau. J'ai crié et il s'est sauvé en courant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, je l'ai vu. Mais non, tu dis des bêtises. Allez, file à l'école, tu vas être en retard. Hey, je suis déjà en retard. Et te fais pas de bile. Je suis pas là, mais je suis là. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens chercher mon pantalon gris. Cet après-midi, j'ai des fiançailles. Il y a la fille de Lang Ching Chu qui se met la corde au cou, alors elle préférerait que ça se passe en musique. Voilà. Bah, va le chercher, ton pantalon gris. T'es encore chez toi, à bord. Merci. À propos, c'est vrai ce que m'a dit le petit sur le type blanc? Il paraît qu'il est venu cette nuit. Je ne sais rien. Je l'ai entendu crier, mais ce petit est aussi mythomane que son père. Probable qu'il a rêvé. Peut-être qu'il l'a vu. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a eu vraiment peur. Ah bon? Il est vrai qu'un bateau déserté par l'homme de bar, c'est pas très rassurant. Mais j'ai pas déserté. T'as toujours dit que j'étais un bon à rien, un feignant. Tiens, tous les gosses du quartier se plaignent de plus avoir de professeur de musique. Ah bon? Quant au petit, il est sûrement très malheureux. Et puis c'est pas moi qui peux lui parler de l'île de Pâques. Ah, évidemment. Tu vas revenir? J'en sais rien. De toute façon, j'ai cette affaire sur les bras. Dès qu'elle sera terminée, peut-être que je reviendrai. Mais attention, hein, seulement parce que tu m'as dit que les gosses avaient besoin de moi. Mm-hmm. Mais rassure-toi, hein. Un jour, on partira. C'est ça, on partira à l'aviron. Et c'est moi qui ramerai. Voilà. Ça sent bon. Ça sent le bon café. Ça sent le café frais, comme tu l'aimes. Y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un renseignement, peut-être? Précisément. Puis-je parler au patron? Je suis là, monsieur. Que puis-je pour votre service? Commissaire Grelet. Ah. Oh. Nous avons la visite de la police. Quel honneur, ma jolie Colombine. L'affaire est d'importance. Vous connaissiez bien Johnny Mister? Fedor Fedorovitch et Paolo, le malheureux qu'on a tué avant-hier? Oh oui, très bien. C'était des clients. C'était surtout des amis. C'est bizarre, hein, monsieur le commissaire. On va, on vient, on pleure, on rit. Et puis, brusquement, tout s'arrête. Adieu. Il reste beaucoup de marionnettistes à fil? Non, presque plus. C'était les meilleurs. En France, il reste les Rubios, une famille qui tourne avec le sergent Richard, le grand Manigaud. Mais lui, j'ai plus de nouvelles. Je crois qu'il a eu un accident de voiture en Allemagne. Il n'exerce plus. Et puis, mon Dieu, ma modestie dut tellement souffrir. Le plus grand d'entre tous, Cartacana, c'est-à-dire moi-même. Pardon? Eh oui, Rigaudon le jour, mais Cartacana la nuit, la vedette du paradis latin. Ah, bon. Et c'est tout? Ah, pour les grands, oui. C'est, voyez-vous, c'est très difficile, la marionnette à fil. Il faut bien connaître les poupées. Il faut qu'elles vivent à travers vous. Qu'elles deviennent le prolongement de vous-même. Faut bien connaître les ficelles du métier. Bon, eh bien merci et au revoir. Je vais essayer d'enrayer l'hécatombe. Dieu vous aide, monsieur le commissaire. Dieu? Eh oui, Dieu. Nous manipulons tous quelque chose ou quelqu'un, mais nous sommes tous manipulés. Le plus grand montreur de marionnettes, c'est lui là-haut. D'invisibles fils descendent. Et nous marchons. Nous cherchons. Nous courons. Nous dansons jusqu'aux flammes de l'enfer. Mais certains sont plus égaux que d'autres. Certains besoin de rien, mais tout de suite servi. Plus léger qu'une bulle, dans
passant au crépuscule, où va le somnambule sortant de l'ergastule. Il va où vont les jules, pour qui sont vestibules les plus vaches cellules. Il va, dis-je, virgule, au grand conciliabule des ombres matricules qui ont le feu au cul. Alors, comment ils sont? Dégueulasse. Ils connaissent même pas Jacques Prévert. Comment veux-tu qu'ils connaissent Jacques Perret? Dis donc, t'as braqué l'italien, toi? Non, non, c'est le cuisinier Min Chan Chong de la pizzeria qui m'a donné tout ça parce que j'avais joué de la trompette aux fiançailles de sa fille. Tiens, à propos, j'ai revu la belle Ursula. Hein. Elle traîne dans le quartier et elle est plus du tout de la cloche. Papa? Oui. Viens, je sais où elle est. Ah oui, capitaine. La puce lui a dit où était Ursula et il a filé. Comme l'aigle se perd dans les airs, le bateau dans les mers, l'homme se perd dans la femme infidèle. Pas mal tout ça, dis donc. C'est à toi, hein? Salut. Salut. Et c'est qui gagne? Bah, ça se tient, 13-14. On fait la prochaine à 4? D'accord, mais enlève ton képi, on veut pas se faire remarquer. Bon, allez, vas-y, à toi. Et voilà, 13-15. C'est la presse qui paye la première bouteille. Allez, commence, Armagnac. Honneur au poulet. Ah, au fait, vous avez des nouvelles de capitaine? On n'a pas vu depuis deux jours. On veut qu'il n'ait pas fait des conneries. Pourquoi veux-tu qu'il ait fait des conneries? Non, mais qu'est-ce que tu mijotes encore, poulet? Tu peux pas lui foutre la paix, capitaine, non? Quand il est dehors, tu t'acharnes à vouloir le mettre au trou. Et quand il est tranquille dans son trou, tu le cherches. T'es pas un peu maso, non? Mais c'est pas moi qui le cherche, c'est le commissaire, et c'est pour son bien. Oui, on connaît des gens qu'on cherchait pour leur bien, et qui ont fini à manger des boules à la santé, hein. Ça commence à faire un peu long, votre histoire, hein, les gars. Mais enfin, franchement, est-ce que j'ai une tête à envoyer capitaine aux galères? T'as une tête à porter un uniforme qui est pas honnête. Bon, ça va, on n'en parle plus. Seulement, s'il arrive des bricoles à capitaine, je vous aurais averti, hein. Chacun frappe sa gamelle, mais s'il ramasse un gadin, vous allez porter un drôle de chapeau, et qu'est-ce que je dis, un chapeau? Un sombrero. Bon. Mais il est dans la cave à la mer Babouin, en pleine déprime. Mais attention, c'est pas aux flics qu'on donne le tuyau. C'est aux partenaires à la pétanque, qui manquera pas de lui apporter une bonne petite bouteille pour le gonfler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bravo, la Badouin! On balance maintenant, on vire au jeune, on fait dans le mouton! Oh, doucement! S'il y en a qui balancent, je fais pas partie de l'orchestre. J'ai jamais travaillé dans les renseignements. Ces deux-là se sont plantés devant le comptoir sans être invités. Ils savaient que t'étais dans la cave. J'ai eu beau protester, mais il paraît que ma licence n'aurait pas résisté. Tiens, tu l'ouvriras quand on sera parti. C'est du bon. Robert Dumouriez, tu vas être épaté. Les flics se font du souci pour toi. C'est là qu'il faut que je rigole. Non mais c'est vrai. Le tueur de marionnettistes continue à assassiner sa clientèle. Et comme tu es toujours le seul à pouvoir l'identifier, il va finir par venir se pointer là où tu es censé te trouver. Il paraît qu'il est déjà allé à ta péniche. Va savoir quel sort il réserve à ta famille. Ah bon? C'est tout ce que vous avez trouvé pour me remonter le moral? Je suis passé dans la merde comme ça. Et pendant que ce tueur rôde autour des miens, qu'est-ce qu'elle fait, la police? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son métier, la police, rassure-toi. Elle sait qu'il y a un marionnettiste qui s'appelle Cartacalin qui passe au paradis latin et qui ne va pas tarder à recevoir la visite du maniaque. Et alors? Alors tu vas être sur place. Tu vas jouer dans l'orchestre. Dans l'orchestre? On s'est déjà arrangé avec la direction. Si l'ordure se pointe, tu seras aux premières loges pour le reconnaître. Mais ça va pas, non? Vous êtes complètement débile. Alors vous voulez me balancer comme ça dans la gueule du loup? Je m'en doutais que votre visite sentait le coup fourré. Il n'y a pas de piège.
On sera là en permanence pour te protéger, t'en fais pas. T'en fais pas. C'est vite dit. C'est pas autour de votre cou que le tueur va passer son lacet de cuir. Et puis j'y pense. Je peux pas aller jouer de la trompette dans une boîte huppée, habillé comme un clodo. On a pensé à ça aussi. La police t'ouvre un petit crédit pour te transformer en musicien gentleman. C'est formidable. Vous pensez à tout. Qu'est-ce que c'est? Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de venir comme ça à l'improviste? Oh, mais je suis cardiaque, tu le sais, Armagnac. Écoute, si on est venu à la surprise, c'est qu'il y avait urgence. Oh. Faut habiller notre copain en artiste, là. Il va faire ses débuts au Paradis Latin. Faudrait que tu lui trouves un beau costard, un blanc. Oui, oh, ben, c'est pas une raison pour débarquer comme ça. Et en uniforme. Alors ça m'a... N'est-ce pas, ça m'a... Faut que je prenne une pilule. Hein. Ah. C'est payé cash. Ah, oh, bah si tu le prends comme ça. J'ai peut-être quelque chose pour ton artiste. Et voilà! C'est le costume d'Alain Delon dans Borsalino. La classe, hein? Ah, vous voyez, Julius, il vend pas de la camelote. Hein? Bon, et combien tu nous vends ça? 300 francs. Tiens, ben, voilà 200 balles et tu t'estimes heureux avec ça. Oui, mais je peux pas faire de facture. Hein. Aucune importance. C'est sur les fonds secrets. Vous avez vu dans la marine, hein, on s'est porté le costard. Vous avez vu ça? Vous verrez quand j'aurai les godasses. Ah, oh, les godasses, alors ça va bien. C'est beau. Tiens, ça fera plus chic. Oh, mais c'est de l'or. Toi, tu les as volés à Julius. Voler des choses volées chez un voleur, c'est pas voler. Voilà, ça c'est une logique que même un flic peut comprendre. Du côté de la rade, une radio pirate. Oh, dans le torrent, je suis haut comme un nageur. Oh, dans le courant, une nuit qui s'est brisée, qui meurt. Ça va? Allez, on y va les enfants. Dis-moi Richard, comment ils sont? Pas mal d'Amerloc, les habitués du salon du Prêt-à-Porter. Oh, je les connais, ça va carburer dans le Pérignon. Mais le nouveau musicien, ça marche? Capitaine, il est au poignet. Comme un grand, ils l'ont adopté. Tout baigne alors? Ouais. Lanterne magique, nous allons découvrir un personnage hors du commun. Je voudrais vous présenter le merveilleux marionnettiste Cartacalin et tout son petit monde de poupées sublimes.
soir de vous recharger un peu, suivez-nous dans les rêves d'une jeune fille, au milieu desquels tous les soirs, la fraîcheur, la candeur et l'innocence arrivent à triompher des forces du mal. Rigaudot m'en a parlé, le grand Manigaud, un artiste de classe internationale. Un accident de voiture l'a obligé à abandonner le métier. De ne plus pouvoir manipuler ses poupées sur scène, ça a dû le rendre fou. Il n'a pas pu supporter que d'autres puissent continuer. Du gâteau pour les psychiatres. Ah, si les assassins deviennent compliqués, on n'a pas fini de rigoler. Merci, Dumouriez. Il n'y a pas de quoi. Ouais, mais c'est pas tout ça, mais ça s'arrose. Ah, alors là, avec plaisir. Mais avant... J'allais récupérer ma trompette tout de suite. Oh là là, quelle soirée. Je me rappellerai de celle-là. Ah, moi aussi, je me rappellerai. Ah, dis donc. Remarque, ça va nous faire de la pub, hein. Oui. Élodie, un double. J'en ai besoin. Hein. Okay. On peut dire que tu nous as fait des émotions, toi. Ah, c'est moi un whisky aussi, parce que... Vous voulez la fière chandelle, hein. Ah bon? Ah, ça. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, ben, c'est pas le tout, mais faut pas oublier que demain après-midi, il y a répétition, là. Maintenant, tu es des nôtres. Ah, demain, je peux pas, demain. Oh, vous n'allez pas nous faire ça, capitaine. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? La vedette de la boîte, c'est toi, maintenant. Demain, tous les journaux vont publier ta photo, et toi, tu m'abandonnes. Ah, ça me fait de la peine de te le dire, mais... T'es un ingrat, hein. Je vous abandonne pas, je reviendrai. Seulement, demain, j'ai un concert. Spécial. Serviteur de Dieu, Gérard, prends pour couronne la servante de Dieu, Ursule. La vraie, l'authentique. Oh! Bon, alors, pardon, monsieur. La seule et unique, la jarretière de la mariée. Demandez la jarretière de la mariée. Avec le petit grelot, regardez, monsieur, ça, 100 francs. La jarretière. La seule, la vraie. C'est la sienne, mais oui, venez, allez voir, 50 balles, ça ira, va. La jarretière officielle, pardon, madame, l'unique. Combien? 100 francs. Oh, non, non, pas question. Petit, bah, regardez comme elle est belle. Oh, mais ça suffira, voilà, c'est trop gentil. Oh, joie. Pas deux amours. Seulement? Bah, pour 50 balles, c'est déjà pas mal, non? Thank you.
est-ce qu'on va maintenant? Où veux-tu qu'on aille, Moussaillon? On va à l'île de Pâques.